La carte qui parle pour vous annonce que avant un mois, vous serez fixé sur les vrais sentiments d'une personne amie. Jeudi prochain sera favorable pour vos entrevues et projets. Une personne de grand cœur vous donnera toute sa tendresse. Un bon changement de situation très profitable améliorera votre situation. Le 12 du mois prochain, vous aurez une grande joie de sentiments, mais surtout sachez écarter des personnes intrigantes et méchantes. Méfiez-vous d'une femme nommée Louise. Venez voir votre main. Si vous sentirez comme un long sur vous. Ayez de l'audace parce que vous avez la réussite certainement pour vous. De quel mois vous êtes? Mois de février. De combien? Le 4. Vous êtes aussi du verso. Il y a autour de vous quelque chose qui va changer votre destinée. Sur un but que vous surveillez maintenant pour la personne que vous connaissez. Actuellement, vous connaissez quelqu'un? Oui. Un génie, c'est là. Oui. Rien qu'à Paris, 6000 voyants, voyantes et autres professionnels de l'occultisme cherchent la clientèle. Pas moins de 300 sorciers, dit-on, exercent à Hambourg. Et l'on compte aux États-Unis 30 000 astrologues. La moitié des journaux en Occident publient des horoscopes. Grâce à l'homme de la rue, à vous, à moi, la magie se porte bien. Quant à la personne brune, je vais faire un déplacement, un voyage, mais ce serait bientôt. Comme situation autour de vous, très bonne nouvelle autour de vous sur un changement de situation. Vous avez hésité, vous avez douté beaucoup là pour faire un voyage. Madame Gabi Christel reçoit sur rendez-vous. La plupart de ses clients viennent chaque semaine la consulter. Ils déterminent eux-mêmes le prix de ses services. Il y a un supplément pour la boule de cristal. Un grand changement autour de vous dans votre famille. Vous avez eu beaucoup d'ennuis, de contrariétés, beaucoup de déceptions. Vous avez lutté, vous luttez encore. Et vous arrivez au summum de votre réussite. Les boules de cristal, ne vous fiez pas là-dessus, c'est de la pure bêtise. Vous ne pouvez pas voir la vie d'une personne et ce qui va arriver dans une boule de cristal. C'est une chose impossible. Où vous pouvez voir la vie de la personne quand elle est intelligente et qu'elle comprend son métier, c'est dans la main de la personne. Vous pouvez voir son nom, son âge et vous pouvez voir sa maladie dans les mains, mais non dans une boule de cristal. Ça n'existe pas. C'est faux. Et les cartes? Et les cartes disent vrai pour voir d'après les lignes de la main que l'on fait avant les cartes. Ça dépend le jeu que vous donnez. Parce qu'il ne faut pas prendre des jeux de bistrot, parce que les cartes de bistrot, ça ne voit rien du tout. C'est des cartes étrangères qu'il faut. Et puis alors, l'astrologie? L'astrologie, c'est pas encore mauvais. Ça pourrait réussir si la personne est intelligente, s'il a vu vraiment l'étoile polaire. L'étoile polaire doit se trouver tout seul sans étoile. Alors s'il voit l'étoile polaire tout seul sans étoile, c'est bon signe et ça porte malheur. Mais s'il n'y a pas l'étoile polaire, il n'y a rien à faire. C'est la mémoire de la personne qu'il faut, monsieur. C'est l'intelligence de la personne. Moi, j'ai mon père qui était grand médium en droit, maman aussi. Et moi, je suis née du métier et je connais mon métier. J'ai 77 ans bientôt. Alors, vous savez, c'est pas à moi maintenant qu'on va apprendre autre chose. Moi, je vous le dis carrément, hein. Parce que je connais les maladies dans les mains d'après. Je vous ai dit votre maladie à vous dans la main. Avant de toucher les cœurs, j'ai bien vu que vous étiez faible et que vous étiez un grand nerveux. Moi, je vous le dis carrément, hein. Pourquoi l'étoile polaire? D'où viennent les boules de cristal? De quelle lointaine tradition la cartomancienne tire-t-elle ses instruments et sa technique divinatoire? Autrefois, sorciers et envoûteurs répondaient à l'inquiétude populaire en conjurant les sorts. Ils étaient magiciens. Et certaines régions ont été les lieux privilégiés du prodigieux et du fantastique. C'est le cas du Sancerrois, vieille terre française aux confins du Berry. Là, nous nous approchons d'un des hauts lieux de l'histoire de la sorcellerie. Le carroir de Marlou. Ici, ce carroir qui était le carroir de Marlou est, comme tous les carroirs, situé à l'angle de quatre routes, car en réalité, un carroir en Berrichon est un carrefour. Et il était celui-là particulièrement célèbre et redouté en Berry parce qu'il s'y faisait des réunions nocturnes. C'est-à-dire qu'on y venait de tous les ravissants villages que vous avez vus de tous les côtés, le soir à minuit. Et les gens, pour ne pas être reconnus, se changeaient en loups, en loups-garous.
D'ailleurs, le carouard de Marlou, c'est le carouard de la mare au loup, à vrai dire, parce que les gens se transformaient. Et alors là, on discutait de ce dont on avait à discuter, c'est-à-dire vendre les âmes au diable, maléficier le champ du voisin, et par conséquent, c'était très, très, très redouté. Est-ce que les gens croyaient vraiment à ces sortes ? Ah oui, oh, mais il y a des années, on croyait aux birettes, ma grand-mère avait vu des gens perdre leur chemin. Ma grand-mère avait vu, mais de loin, évidemment, elle n'était pas restée, mais elle avait vu des loups-garous. Et elle avait entendu ce qu'on appelait la chasse marine, la chasse à ribots. Alors ça, c'était des jours d'orage. Dans l'air, on entendait des bruits absolument extraordinaires et on voyait des nuages qui traînaient, qui se poussaient avec des gémissements. Et il paraît que c'était l'âme d'un petit enfant qui était mort avant le baptême. Et le diable voulait emporter le petit enfant en enfer. Et comme il était innocent, les anges voulaient quand même le mettre dans les limbes. Alors ça, il y avait dans le ciel une bataille épouvantable au sujet de cette petite âme. Et alors les gens priaient pour que les anges l'emportent et que le pauvre petit non baptisé n'aille pas en enfer. Est-ce que vous croyez vous-même personnellement à ces histoires ? Ah, moi je pense que dans toutes ces légendes, il y a un fond de vérité, un fond de merveilleux, et il y avait surtout le besoin de croire et d'expliquer. Et on est très poète dans ce pays, qui est un pays de l'harmonie, mais aussi du rêve. Car ce que vous ne pouvez pas voir, c'est la couleur et la qualité des nuits dans ce pays. Les nuits sont vertes, les nuits sont mauves, les nuits sont violettes. Et les nuits sont d'une telle beauté que même moi qui étais petite fille ici, eh bien, je crois que j'ai gardé à travers la vie un certain sens de la poésie et de l'harmonie qui est due à ces lignes qui ont empli mes yeux d'enfant et aussi à la couleur du ciel et à la couleur des nuits ici. Alors il est normal qu'on rêve, et quand on se met à rêver, à avoir l'imagination, on devient poète. Et quand on ne peut pas écrire de poésie, on fait des légendes et on les raconte à la veillée. Morning glory. Le rituel du sabbat nous a été transmis du Moyen-Âge dans ses moindres détails. Les mercredis, vendredis ou samedis soirs se réunissaient en des endroits déserts les convives de ce banquet des puissances infernales. Accourant par la voie des airs, les sorcières venaient rendre hommage au diable qui leur apparaissait sous l'aspect d'un grand bouc noir à trois cornes. Le carouard de Marlou aurait-il été témoin de cela ? Il y a encore des pertes signeuses, des gens qui guérissent avec les prières. Bien sûr. D'abord, on lève le feu. On souffle sur la brûlure. 3 fois, 6 fois, 9 fois, en disant une prière. Puis ensuite, on la persigne avec un signe de croix. 2, 3. Et on n'oublie jamais de dire Amen. C'est très important. Sans ça, ça n'a pas d'effet. Et alors, il y a une prière qui est un secret et qui se transmet généralement ou de mère à fille, ou s'il n'y a pas de descendance, d'une guérisseuse à une autre, mais on la transmet 1 fois ou 3 fois selon la prière, jamais plus. Car tout de même, c'est la lutte du bien contre le mal et il n'y a qu'un certain nombre de privilégiés par le monde. Encore faut-il qu'ils aient une vie droite et qu'ils prient. C'est incroyable. Mais écoutez, madame, vous n'y croyez pas, là, parce qu'ici, c'est fini dans notre pays. Mais par là, je vous assure que il y a des gens qui croient encore, et puis je vous emmènerai. Ah oui, oui. Par exemple, il y a un type qui est venu pour désorceler, on peut dire le mot, puisque c'est ça. Hein. Oui. Alors, il faisait sortir le père, la mère de la maison, et lui, il restait tout seul avec les filles. Alors, les autres couchaient dans les tables toute la nuit. Et puis lui, il attaquait le mal à sa source. À sa source, sans doute. Mais à l'heure actuelle, il existe encore, ici, pas très loin, des gens qui croient aux sorciers, véritablement. Ils croient aux sortilèges, et puis, ma foi, si vous voulez, je vais vous emmener, mais on peut des fois plutôt être mal reçu. Oui, il y a des gens.
Il y a des gens qui s'appellent comme le bon Dieu de Barlieu, soi-disant les guerriers, ils leur prennent énormément d'argent. Oui. C'est impensable à notre temps qu'on puisse... Non, mais ça existe encore. Quelquefois, vous avez plusieurs accidents ou plusieurs deuils qui vous frappent, alors les gens... C'est ça. Alors, le coup du sort, pour l'enlever, il n'y a pas d'autre solution. C'est un sorcier, on est maléficié, il faut faire dire des prières et dire des messes. Et oui. Dans certains cas où on était convaincu qu'on avait jeté un sort, eh bien, on est venu réclamer mon ministère. Eh bien, je n'étais pas convaincu dès le début. Alors, je cherchais à éclairer les choses, point de vue naturel. J'avais consulté le médecin, le vétérinaire, bien examiné si au point de vue du local, il n'y avait pas quelque chose à faire. Et alors, dans certains cas, je constatais que certaines maladies existaient tout de même, expliquaient les choses. Par conséquent, oui, c'était naturel, alors qu'on n'avait pas constaté encore au point de vue extérieur. Mais alors, il y avait une cause naturelle, oui. Tandis que chose vraiment extraordinaire, là, qui dépassait, qui n'était plus du tout du domaine de la nature, que je vous citais à ce cas-là, c'est les chevaux, une certaine distance d'ici, des fermiers ont perdu un nombre considérable de chevaux, sans jamais connaître la raison. Puis alors, à Tauvenay, ça m'avait expliqué la même chose, l'affolement du bétail, dans certains cas. Alors là, cet affolement... n'a pas de cause naturelle. Alors, là, tout même, on était à côté du château de Tournai. Alors là, c'était pas douteux. Alors, seulement dans ce cas-là, l'Église peut agir, et puis alors, ces phénomènes-là, ça cesse. Je voulais vous demander, parce que moi, je suis encore un profane dans ces choses-là, qu'est-ce que c'est la radiesthésie, précisément? Eh bien, là, je me sers de ça surtout pour les questions maladies. Recherche peu, parce qu'on peut, avec la radiesthésie, chercher les sources, surtout. Les sourciers pratiquent cela. Et puis des objets perdus. Mais alors c'est une branche spéciale. Tandis que moi, je cherche surtout à discerner la cause du mal et le remède approprié. Par ces moyens-là. Alors moi, je me sers du pendule, d'autres servent d'une baguette. Et moi, je suis pas sensible à la baguette. Alors, c'est ce que je fais depuis, pour moi et autour de moi, le moins possible à les gens. Quand on vient, j'en vois pas les gens, mais enfin, je dis ce que je pense, et puis, là, avec précaution, parce que quand il y a l'avis du médecin, c'est un peu plus délicat. Vous voyez personne actuellement, du coup, on y rencontre. Dans une paroisse voisine, M. Marc Turpin, l'un des 40 000 guérisseurs de France, a accordé une fort brève entrevue. Vous savez bien comment il vous appelle, d'ailleurs. Bien sûr. Vous savez comment il vous appelle, c'est un beau nom. C'est un vieux nom de... Enfin, c'est une vieille habitude d'appeler comme ça les personnes qui soignent. Ça dépend. Ouais. Parce que ça, on a remarqué que pour vous, enfin, on applique ce terme. En général. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient moins de ou je sais pas, des régions, ou même autour d'ici, des... Je ne pourrais pas vous informer à ce sujet-là. Non. Bon. Père Signeux, manieur de pendule, guérisseur, n'accepte souvent de pratiquer que la nuit tombée. Ils se cachent d'une société qu'ils savent hostile à leur méthode. Mais peut-être aussi se sent-ils à la frontière d'un domaine interdit, dangereux, dont ils craignent de trop réveiller les forces obscures. Ici se confondent magie, superstition, miracles et phénomènes paranormaux. Comment nous retrouver dans ce labyrinthe? Nous l'avons demandé à Robert Amadou, expert en ces questions. Il existe un domaine singulier qui est peuplé de prodiges, de rêves, de miracles, bref, d'un certain nombre de phénomènes qui ont en commun de sembler extraordinaires, de sembler étranges. Cette étrangeté, ce caractère extraordinaire est beaucoup plus senti que vraiment perçu, que vraiment compris, et tous ces phénomènes appartiennent à des ordres extrêmement différents. C'est un véritable fatras où on rencontre aussi bien les fantômes et les maisons hantées
que les connaissances kabbalistiques ou les connaissances gnostiques, que les guérisons dites paranormales, que la télépathie ou certains miracles dans de grands sanctuaires chrétiens. Tous ces phénomènes, ils ont donc en commun cette impression d'étrangeté qu'ils provoquent, que ressent celui qui les observe, c'est-à-dire la majorité de nos contemporains. Et ce fatras qu'il est légitime de considérer ensemble puisqu'il provoque la même impression, il n'y a rien de plus urgent, me semble-t-il, que d'essayer d'y opérer un tri, c'est-à-dire de savoir de quelle nature sont ces phénomènes qui, au demeurant, sont hétéroclites, même s'ils engendrent les mêmes impressions. Trois ordres, semble-t-il, peuvent permettre de classer ces phénomènes. D'une part, l'ordre religieux, d'autre part, l'ordre de l'occultisme, enfin, l'ordre de la parapsychologie. L'ordre religieux d'abord, ces phénomènes étranges, extraordinaires, peuvent, aux yeux de certains, manifester une intervention directe, une intervention immédiate de Dieu ou de Satan. La possibilité d'une telle intervention n'est pas niable, mais il faut considérer que lorsqu'on s'efforce de faire la discrimination de ces faits hétéroclites, de ce fatras dont je parlais à l'instant, l'hypothèse surnaturaliste, l'hypothèse du miracle, est certainement celle qui est la plus coûteuse, comme on dit en logique, c'est-à-dire celle que l'on doit n'utiliser qu'en dernier ressort, celle à laquelle on recourt lorsque les autres hypothèses qu'il convenait d'essayer auparavant se sont avérées ne pas rendre compte des phénomènes que l'on voulait expliquer. Je n'insisterai donc pas sur les phénomènes d'ordre religieux en ce sens, et je dirai tout de suite un mot de l'ordre de l'occultisme. L'occultisme, c'est l'ensemble des doctrines et des pratiques fondée sur une théorie générale, sur la théorie générale de l'occultisme, c'est-à-dire l'affirmation de la loi des correspondances, l'affirmation du symbolisme universel. Ce sont d'abord des doctrines qui constituent l'occultisme, et ces doctrines s'efforcent de considérer les signatures que chaque être porte en lui-même, les signatures qui le rattachent à tous les autres êtres de la création. Et puis, l'occultisme débouche tout naturellement, dans sa partie doctrinale, sur une connaissance religieuse, puisque l'examen de la cosmologie occultiste, le monde tel qu'il se révèle à l'occultiste, signale la présence immanente d'une sagesse divine qui permet à l'occultiste de remonter jusqu'à l'adoration de Dieu dont il a vu les traces de la sagesse en cet univers. Et puis, après des doctrines, il y a des pratiques. Pour constituer l'occultisme, ces pratiques, elles sont fondées sur la théorie générale de la loi des correspondances, et ce sont des pratiques divinatoires, comme on dit, par exemple l'astrologie, par exemple la chiromancie, où à partir d'un certain nombre de symboles, d'un certain nombre de signes, on s'efforce de remonter vers le symbolisé, vers la chose signifiée. Ces pratiques, c'est aussi la magie, qui est un mode d'action dans le monde fondé sur la théorie des correspondances. Et puis, c'est enfin l'alchimie qui présente des problèmes particuliers, mais qui, elle aussi, repose essentiellement sur la même loi des correspondances. Enfin, troisième ordre de fait, les faits qui relèvent de la science, et plus particulièrement de la parapsychologie. En effet, dans ces faits extraordinaires, étranges, il y en a un certain nombre que la parapsychologie a choisi d'étudier. D'abord, quels sont ces faits? Eh bien, on pourrait en aligner une très longue liste. Ce sont les faits dits paranormaux, d'une part mentaux, ce qu'on appelle la télépathie, la voyance, la précognition ou connaissance de l'avenir, et puis ce sont aussi des faits que l'on dit paranormaux physiques, c'est-à-dire les lévitations, les mouvements d'objets pesant à distance sans contact, les maisons hantées, les poltergeists et un certain nombre d'autres phénomènes du même genre. «
Certaines sectes de la Virginie et du Tennessee, il y a quelques années encore, suivaient à la lettre les paroles rapportées par Saint Marc. Ils prendront des serpents dans leurs mains et ils n'en éprouveront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Les serpents sont venimeux et leurs blessures mortelles. Ils ont mordu des centaines de fidèles. On rapporte que 7 seulement en moururent. On ne rapporte pas le nombre des guérisons miraculeuses. Voyez, les serpents ne me font aucun mal. J'ai donc la foi et Dieu m'habite. Plusieurs viennent à Lourdes, au terme d'un long voyage, pour implorer le miracle et ajouter leur voix au flot commun de milliers d'autres invocations. Mais chacun sent qu'il doit en outre communier au plus intime de lui-même avec le Dieu dont il appelle l'intervention. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiate in vita. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiate in vita. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiate in vita. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiate in vita eterna. Corpus Domini Jesu Christi, custodiate in vita eterna. Corpus Domini. Jésus, un jour, a dit à un paralytique : Ta foi t'a sauvé. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Corpus Domini Jesu Christi, custodiate in vita eterna. Il faudrait un peu d'eau. Ne vous inquiétez pas, mon père. Corpus. Transe ou possession, ferveur ou hystérie, le sacré est là, avec ses symboles. Et l'eau purificatrice va faire naître ces âmes à la vie surnaturelle. Le bureau médical de Lourdes a étudié les dossiers de milliers de malades. Les hommes de science qu'il compose ont admis l'impossibilité d'expliquer à la lumière des connaissances actuelles un grand nombre de guérisons. Cependant, l'Église, depuis 100 ans, n'a voulu reconnaître comme miraculeuses qu'une cinquantaine d'entre elles. Thank you.
bien, cher ami, ce que vous appelez une chambre est une pièce qui a été transformée, il y a déjà un certain nombre d'années, en oratoire, de façon à me retrouver, et quelquefois avec des frères, des sœurs, dans notre domaine du martinisme, vient de nous retrouver dans une ambiance qui est une ambiance de prière. Dans cet oratoire, il y a des souvenirs multiples, qui proviennent de ceux que nous appelons les maîtres passés. Et entre autres, il y a Papus, bien sûr, Gérard Ancausse, Papus, que l'on voit un peu partout, et son maître, celui qu'il appelait son maître spirituel, qui est le maître Philippe de Lyon, qui est un personnage extraordinaire, un personnage de légende, qui s'est trouvé d'ailleurs à la cour de Russie avec Papus. Philippe Ancausse, grand maître de l'ordre martiniste, et le propre fils du célèbre occultiste et magicien Papus, qui fonda à la fin du siècle dernier cette société initiatique chrétienne. Il est évident que de tout temps, l'homme se penche sur ces questions. Qui est-il? D'où vient-il? Que sera-t-il? Et les esprits travaillent, et l'on recherche. Et alors, il y a des éléments dans le domaine de la pensée uniquement, mais il y a aussi des éléments dans le domaine de la pratique. Et mon père disait que l'occultisme comportait trois éléments, en quelque sorte. C'était la science du caché, c'était la science cachée, et c'était la science cachant, c'est-à-dire que tout le monde n'était pas à même d'être tenu au courant de certaines des révélations. Dans un certain domaine, cet occultisme donne des vues merveilleuses, entre autres, cette idée de réincarnation. Je sais très bien que tout le monde ne partage pas le point de vue des réincarnationnistes. Mais en ce qui me concerne, humblement, je crois trouver là une explication, et le grand Papus y croyait lui-même, bien sûr, à ce qu'on pourrait appeler la justice divine. Autrement, si nous n'avions pas la possibilité de vie successive, vie qui nous amène à être une fois un homme, une autre fois une femme, ça n'est pas toujours la même chose, eh bien, il y aurait un déséquilibre. L'on peut se demander aussi pourquoi certains naissent avec la fortune, si vous le voulez, avec un corps agréable, avec de très belles qualités, et d'autres sont des victimes à la naissance. Alors, l'on pourrait se dire, mais alors Dieu est injuste. Et moi qui suis profondément chrétien, d'une part, et qui crois en le Père, en Dieu, je pense que Dieu ne peut pas être injuste. Et cette théorie de la réincarnation, qui est l'un des éléments de la morale de la doctrine occultiste, permet de comprendre qu'un individu donné, compte tenu de son comportement dans une vie antérieure, pourra très bien partir dans la vie ultérieure. Et ça sera l'explication, ça sera la justice. Il n'y aura pas donc d'injustice. Bien, ce que l'occultisme appelle le plan astral, c'est un plan, un niveau intermédiaire entre le plan physique et le plan spirituel. Le ternaire est la grande clé de l'occultisme. De même qu'il y a en l'homme une constitution ternaire, le corps, l'âme et l'esprit, bien que certaines terminologies disent plutôt le corps, l'esprit et l'âme, mais ça n'a pas d'importance. De même, l'occultisme constate, ou affirme, comme on voudra, l'existence de trois plans, le plan physique, le plan astral et le plan spirituel. Ce plan astral, donc, est un plan intermédiaire, c'est le plan de l'imagination. L'imagination qui peut ouvrir aussi la porte du monde spirituel, mais c'est essentiellement le domaine des images que le plan astral. C'est le plan d'un certain nombre de forces que l'homme peut contrôler, quoique difficilement parfois, et qui ne sont pas nécessairement intelligentes, qui même généralement ne sont pas intelligentes. Ce ne sont pas des démons au sens de la théologie catholique. Ce sont des sortes de forces aveugles. Ce sont des influences errantes, comme dit la tradition chinoise. L'occultisme est une cosmologie essentiellement. C'est un moyen de connaissance de l'univers, d'un certain aspect de l'univers, que j'appellerais volontiers son aspect intérieur. C'est une découverte de l'harmonie de l'univers, c'est une révélation du symbolisme universel, et ce symbolisme universel, c'est une loi. Cette loi, l'occultiste
lui reconnaît un auteur, et tout naturellement, l'occultisme débouche sur ce qu'on appelle du très beau nom de théosophie, c'est-à-dire de connaissance de la sagesse divine, c'est-à-dire de remonter du monde vers l'auteur de ces magnifiques, merveilleuses correspondances qui sont le monde occultiste à proprement parler. Qu'est-ce que vous voulez un astrologue, moi je vous cache pas que quand on me demande, quand je suis dans un milieu étranger et qu'on me demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites, etc., moi je dis pas que je suis astrologue, que voulez-vous? Moi je vais pas me faire regarder de travers. En vérité, pour ma part, je ne crois absolument pas à l'influence des astres, à une influence physique des astres sur notre monde. Nous croyons beaucoup plus à une corrélation d'une autre espèce, une corrélation de synchronisme ou de parallélisme entre les deux mondes. Mais cela dit, on peut aussi considérer l'astrologie comme une expérience du type poétique. À ce sujet, tout le mouvement du symbolisme, le mouvement littéraire du symbolisme, en témoigne. Je pourrais citer également l'expérience d'André Breton, qui a beaucoup parlé de ces choses. Si vous voulez, au fond, il faut encore attendre. L'astrologie est la connaissance la plus ancienne du monde. Je crois que ce qui n'est pas exagéré de le dire. Mais elle est également une connaissance neuve, nouvelle, qui se cherche et qui n'en est encore qu'à ses débuts. La notion de doctrine de correspondance repose sur une idée philosophique d'unité du monde. Voyez-vous ? Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas une opération magique. Il suffit d'avoir une table astronomique. André Barbeau est vice-président du Centre national français d'astrologie. Les positions des différentes planètes, des luminaires, soleil, lune, des différentes planètes, pour le jour de la naissance. Ces tables, par exemple, donnent les positions de 1890 à 1930. Il y a d'ailleurs un autre coefficient qui permet d'orienter le ciel, comme vous allez le voir. Eh bien, il suffit donc de faire une règle de 3 pour calculer précisément ces positions planétaires en fonction de l'heure particulière de la naissance. Et voyez-vous, quand on a fini l'opération, cela donne la carte du ciel que voici. Eh bien, voici comment ce que représente cette carte du ciel. La Terre est au centre. Et non seulement la Terre est au centre, mais l'individu est au centre. Si vous voulez, c'est une représentation non seulement géocentrique de l'univers, mais c'est même une représentation anthropocentrique. C'est-à-dire, c'est vraiment l'individu qui est ici, au milieu. Et voyez-vous, ce ciel, il est d'abord représentatif d'une orientation donnée. Une orientation selon un horizon, que voici, et selon un méridien. Voici donc l'horizon qui délimite la partie du ciel perceptible qui est au-dessus de notre tête, de la partie du ciel qui est sous nos pieds, invisible. Et alors, tous ces astres que vous voyez, Soleil, Mercure, Vénus, Uranus, Jupiter, Mars, Pluton, Neptune, Lune et Saturne, tous ces astres se définissent d'abord par rapport à cet horizon et à ce méridien. Si vous voulez, tous ces astres font leur tour sur eux-mêmes dans les 24 heures. Ils passent à l'heure minuit au méridien inférieur ici, ils se lèvent à l'Orient le matin, arrivent à leur culmination
se couchent et repassent à leur minuit. Voyez-vous, vous avez ici une représentation du ciel pour le 4 février 1929 à 7h à Montréal. Et alors, il s'agit d'une orientation pour une latitude nord de 45 degrés 30. Eh bien, voyez-vous, vous avez l'horizon qui est ici, et nous trouvons le soleil là. Vous constatez tout de suite que c'est une naissance qui a lieu au lever du soleil, à quelques temps du lever du soleil. Le soleil n'est pas encore levé, il est sous l'horizon, mais il va se lever. Voyez-vous, au surplus, ces astres sont représentés par rapport au champ dans lequel il gravite, ce champ dans lequel il gravite étant le zodiaque avec les 12 signes que tout le monde connaît, le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Ils évoluent à des vitesses différentes dans ce zodiaque. Le soleil, par exemple, fait son tour en une année, c'est lui qui fait notre calendrier. La lune fait son tour en un mois. Telle planète, Saturne par exemple, en 30 ans, voyez-vous. Et alors, nous trouvons donc, si ce soleil-là est un soleil de 7h du matin pour Montréal, c'est aussi un soleil du 4 février, c'est-à-dire un soleil qui se trouve dans le signe du Verseau, au 15e degré du signe du Verseau. Vous avez ici déjà un élément significatif, le signe du Verseau est très important, car c'est le signe du soleil, c'est le signe de la planète Mercure, et c'est même le signe de l'horizon, ce qu'on appelle le signe ascendant. Et alors, nous avons Vénus et Uranus qui se trouvent dans le signe du Bélier en conjonction, conjonction voulant dire réunion, comme le Soleil et Mercure. Vous avez Jupiter dans le Taureau, vous avez Mars dans les Gémeaux, vous avez Pluton dans le Cancer, Neptune qui vient d'entrer dans la Vierge et la Lune et Saturne qui sont en conjonction dans le Sagittaire. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, tout cela nous donne donc une représentation symbolique de l'individu qui se trouve être né ce 4 février 29 à 7h du matin à Montréal. Et voyez-vous, j'ai fait des petits tracés intérieurs. Vous avez, si vous voulez, une Lune et un Saturne dans le Sagittaire qui arrivent à leur culmination et qui sont en face, c'est-à-dire en opposition de Mars qui se trouve dans les Gémeaux, non loin de son minuit. Eh bien, cette opposition-là est révélatrice d'une dualité. Elle est révélatrice d'un conflit intérieur. Et alors, on voit que cet axe planétaire est relié par un angle de 120 degrés d'une part et par un angle de 60 degrés d'autre part avec cette conjonction Soleil-Mercure du Verseau. Eh bien, voyez-vous ce dessin-là, ce triangle-là, c'est la révélation d'une structure triangulaire, d'une nature tripartite, si vous voulez, de la personnalité. Il y a, par exemple, chez ce sujet, une bipolarité, donc Saturne-Mars, c'est-à-dire une structure cyclotimique. C'est-à-dire, tantôt le sujet est Mars-Gémeaux, c'est un spontané, un impulsif, un dynamique, il éclate, il explose, il est débordant. Tantôt, au contraire, il est saturnien, c'est-à-dire plutôt rétracté, recueilli, réservé sur lui-même, je dirais même plus ou moins mélancolique, plus ou moins nostalgique. Il passe par des phases alternantes, si vous voulez, d'excitation et de dépressivité. Ceci étant vu sous l'angle, disons, un peu, je ne veux pas dire pathologique, mais enfin excessif, sous l'angle défavorable ou négatif. Par contre, cette bipolarité révèle un axe de valeur complémentaire par ailleurs, c'est-à-dire complémentaire. Ici, on trouve l'activité, l'action. Ici, on trouve l'intériorité, la réflexion. Tous les ans, quand le soleil, par exemple, passe dans les Gémeaux, vers le mois de juin, à la mi-juin, eh bien, c'est par exemple le pôle martien qui l'emporte, le pôle de dynamisme, de spontanéité, d'impulsivité. Tantôt, au contraire, quand le soleil passe en décembre, sur cette conjonction vers la mi-décembre, c'est le pôle, au contraire, d'introversion, mélancolie ou de nostalgie, de vie intérieure en un mot, qui prédomine. Et alors, le troisième aspect de sa personnalité est là pour établir l'équilibre, si vous voulez, entre les pulsions martiennes et les inhibitions saturniennes. Le sujet a besoin de se constituer un moi fort, un moi solide, pour faire face
à cette polarisation, si vous préférez. D'où, chez le sujet, par exemple, l'affirmation d'un caractère extrêmement indépendant. On peut dire que le trait majeur du caractère, c'est l'indépendance, mais pas seulement indépendance vis-à-vis du monde et des autres, d'abord indépendance vis-à-vis de soi-même, car il y a un combat à mener pour affronter simultanément la violence intérieure et les principes moraux, éducatifs, ou tous les éléments de moralisme, si vous voulez. Au fond, il y a un affrontement entre ce qu'on pourrait appeler le haut et le bas, n'est-ce pas, et la nécessité pour le sujet de s'imposer lui-même, vis-à-vis de lui-même, pour dépasser cette contradiction. D'après un recensement du XVIe siècle, il y a 7 405 926 diables et démons. Ils sont dirigés par 72 princes, la hiérarchie est stricte et résolument monarchique. Au sommet est l'empereur Lucifer, viennent ensuite le prince Belzébuth, le grand-duc Astaro, le premier ministre Lucifugé, le grand général Satanakia, tandis que Nébiros doit se contenter d'être maréchal de camp. À l'appel du magicien, les esprits infernaux apparaissent, mais pas toujours sous la forme humaine. Le bouc, le dragon et le hibou sont parmi leurs formes préférées. Souvent, ils sentent mauvais. Eh bien, je crois en la pensée. Je crois que la pensée, en effet, est une force. Et autant cette pensée peut être orientée vers le bien, ce qui est le propre, non pas seulement des martyrs, mais de tous les gens de cœur. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'être un croyant pour faire du bien à quelqu'un. Vous vous mettez à la place de ce quelqu'un, vous pensez à lui, vous songez à lui, mais même si vous ne croyez à rien, mais vous avez cet élan du cœur, vous aurez un résultat. Et puis vous avez d'autres personnages, qui consacrent leur pensée à un autre domaine, ou le domaine noir, si vous voulez, enfin, ce sont des figures, tout cela. Et je crois donc que quand quelqu'un est déjà en déficience, on peut, dans certains cas, mais beaucoup plus rarement qu'on ne le pense, déclencher chez cette personne des troubles, par une pensée qui est activée par des pratiques, d'ailleurs. Le cercle magique tracé sur le sol protège contre une mort certaine celui qui veut entrer en rapport avec les démons. Tourné vers l'est, le magicien doit répéter 7 fois la conjuration que, sans doute, le docteur Faust a proférée. Lucifer, Ouillard, Alizéon, Mandoussin, Prémy, Damocar, Casmiel, Lucifer, je t'ordonne d'apparaître. Amen. C'est par des pratiques analogues qu'à Londres, vers 1582, le célèbre John Dee, astrologue et alchimiste, évoquait l'esprit des morts. L'anglais Aleister Crowley fut sans doute le magicien le plus notoire de notre temps. « Je sers mon auguste maître Satan », écrivit-il un jour. Il se surnommait la bête, celle de l'Apocalypse. La bête nous a laissé cette très explicite profession de foi. L'homme a le droit de vivre selon sa propre loi, de vivre comme il l'entend, de travailler comme bon lui semble, de jouer comme bon lui semble, de se reposer comme bon lui semble, de mourir quand et comme il lui plaît. L'homme a le droit de manger ce qu'il désire, de boire comme il lui plaît, de demeurer où il lui plaît, de se déplacer comme il l'entend sur toute la terre. L'homme a le droit de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il pense et d'écrire ce qu'il pense, de dessiner, peindre, sculpter, mouler, construire ce qui lui plaît, de s'habiller comme il lui plaît. L'homme a le droit d'aimer comme il entend, de se rassasier d'amour quand, où et avec qui il le désire. Et l'homme a le droit de tuer ceux qui nieraient ses droits.
talk. Oh, pay. La propre voix d'Aleister Crowley, miraculeusement conservée sur un vieux disque d'aluminium, emprunte pour une incantation une langue occulte, l'énochien. Dans la vie d'Aleister Crowley, magie et sexualité se sont souvent confondues. Il eut plusieurs compagnes successives qu'il nomma, après consécration rituelle, ses femmes écarlates, en référence toujours à l'Apocalypse. La fonction ne manqua jamais de candidate. Il y eut même parfois concurrence. Aleister Crowley mourut en 1947. Ses dernières paroles furent « Je suis perplexe ». Huit ans plus tard, le cinéaste américain Kenneth Anger tenta de reconstituer les cérémonies magiques de Crowley dans son film « Inauguration of the Pleasure Dome ». Dans ce film, répète les gestes d'Aleister Crowley et se sert des objets mêmes que celui-ci employait. Ah.
C'est un fait que pour beaucoup de gens, l'occultisme est inquiétant. Et s'il est inquiétant, et en même temps attirant, je ne pense pas que ce soit seulement parce qu'un certain nombre de gens l'utilisent mal, ou parce qu'un certain nombre de gens qui s'adonnent à l'occultisme sont eux-mêmes inquiétants pour d'autres raisons que leur activité occultiste proprement dite. Je pense que les faits qui relèvent de l'occultisme et les faits qui sont étudiés par la parapsychologie se trouvent du fait de l'état actuel de notre civilisation, mise au banc de notre culture, et sont sous le coup d'une sorte de malédiction. Ce sont des faits qui sont aberrants, que l'on nie. Et quand on ne les nie pas, on déclare qu'ils sont précisément inquiétants, qu'ils sont dangereux. Ce sont des faits qui ne s'intègrent pas dans la synthèse présente de la science et de la technique. Ce sont des faits, par conséquent, dont les adeptes semblent eux-mêmes se placer au banc de la société. On considère souvent, bien sûr, que la magie est satanique. Les magiciens eux-mêmes, sauf certains cas assez rares, ne prétendent pas invoquer le diable. Ils prétendent soit se servir de certaines forces d'un plan intermédiaire entre le plan physique et le plan spirituel et qu'ils appellent le plan astral, soit faire jouer la loi des correspondances, qui est le fondement même de l'occultisme, soit exercer une action psychique par la concentration de leurs désirs, de leur imagerie mentale et de leur volonté. Bref, quel que soit l'idée subjective qu'ils se forment eux-mêmes de l'opération magique, très rares sont, je crois, les magiciens qui prétendent invoquer le diable. Je pense que la magie est une réalité, je veux dire que des opérations magiques peuvent être efficaces. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que si la magie, dans certains cas, peut être efficace, et je ne parle pas de cas où il s'agit d'une intervention du démon, mais de processus naturels, d'ailleurs, qui peuvent être d'ordre très différent, si dans beaucoup de cas, la magie peut être efficace, dans beaucoup d'autres, la magie est une pure illusion, et dans tous les cas, c'est une chose dangereuse. C'est une chose dangereuse que de faire de la magie, comme on dit, parce que, d'une part, c'est toujours dangereux de rechercher le pouvoir. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus hautes, beaucoup plus belles à rechercher que le pouvoir. Et puis parce qu'ensuite, on entre en rapport avec des forces qu'il est parfois peut-être difficile de garder entièrement sous son contrôle. Bref, la pratique de la magie est certainement une pratique extrêmement dangereuse. Disons en gros qu'il y a mieux à faire, même dans le domaine de l'occultisme. Ah, bien entendu, moi je m'efforce d'être un serviteur, et je prie, bien oui, et je prie pour autrui, et je demande humblement. Car la différence avec le magicien, justement, c'est que nous n'ordonnons pas, nous quémandons, nous demandons humblement au Père. Le Père peut nous entendre ou ne pas nous entendre, nous ne sommes que des instruments. Tandis que le magicien qui utilisera, non pas une épée comme celle-là, elle est très belle, celle-là, elle est pure, mais il donnera des ordres à des entités, à des êtres que j'estime très souvent inférieurs. Eh bien, c'est une différence énorme par rapport à ceux qui, dans cet oratoire, comme dans d'autres oratoires, justement demandent. Moi, je prends ce prie-Dieu, et puis je m'incline, vous voyez, je m'assieds et je demande humblement au Père. Mais c'est avec humilité. Et je demande aussi quelquefois, si cela peut être utile, que des épreuves me soient données, de façon à permettre une amélioration chez autrui. Et quand vous lisez encore, c'est notre Père qui est merveilleux, quand on vous dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il ne faut pas penser que c'est une question de nourriture, enfin matérielle. Vous demandez, ils ne le savent pas ceux qui disent cette formule, mais vous demandez des épreuves. Quand vous dites « Donnez-nous notre pain quotidien », vous demandez des épreuves. Et il nous arrive aux uns et aux autres, et je le redis ici encore sans orgueil, ce n'est pas notre genre, eh bien nous demandons le pain quotidien, nous demandons des épreuves. Voilà l'action.